Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur ce live de Twitch sur Minecraft pour le projet d'huile, sur Fabrice Fun et Gaming pour ceux qui seront sur YouTube et pour Fabrice Fun 1982 pour ceux qui seront sur Twitch. Alors, j'espère que j'ai pas dit n'importe comment, sinon tant pis, c'est pas bien grave, je retransférerai de toute façon tout sur YouTube. On va continuer, enfin on va finir ce que j'étais en train de faire. Et après le reste, je le ferai en off. Je vais mettre 1 heure, évidemment, sur le compte à rebours, sinon ça va pas aller. Voilà. Ici, il faudra vraiment que je fasse quelque chose, hein, parce que sinon ça va pas aller. Bon, ben on le fera plus tard. De toute façon, je le ferai en off. C'est un truc que je veux faire tout seul. Alors. Remplissage. Ça aurait dû durer moins d'une heure de toute manière parce que je vais voir pour faire certaines choses, puis ensuite on verra après pour le reste. Ah oui. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, ce qu'il faut que je fasse, c'est immédiat de toute façon. Alors. Cinq, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà, donc je vais foutre une diorite, mais bon, j'en ai un peu rien à foutre, je vais mettre. Je vais mettre quel genre de porte d'ailleurs? Ça va être particulier, hein. Alors. La porte en métal, je vais pas mettre des plaques. Il y a 2-3 trucs que je vais enlever. Qu'est-ce que je dois enlever là-dedans? Pour le moment, j'ai pas besoin de certains trucs. Je vais me débarrasser tout de suite. Hein. Alors. Les escaliers en pierre taillée. Pas besoin. La dalle en pierre taillée. J'en ai plus besoin. Le truc en pierre taillée, ça peut virer. Peut mettre ça comme ça. Ça ici. Non, ça je peux le garder. Ça, c'est la laine blanche que je peux mettre là. L'escalier encore, je vais le garder. Est-ce que je pourrais le mettre là-dedans? Oh là là, ça baille, ça baille. Alors.
un bouton en bois ou un bouton normal. Plaque de pression en métal. Ça c'est quoi? Ah, je cherche des trucs. Ça sera un peu plus simple. Alors ça, ok, donc ce serait pour le côté. La porte en sapin, d'accord. Regardez ce genre de porte. Par contre, ici, il n'y a pas de vitre, c'est tout à fait normal. On va mettre la durite poly, on va mettre ici, dans la portière. Et sur ce côté-là, donc voilà, ouais, alors on va le faire comme ça. Et ici, concernant la porte, on va la mettre à 1, 2, 3, 4. Tac. Non, 1, 2, 3, 4. Tac. Oui, c'est parfait, je trouve. Alors, oh, les portes, je m'en fous comment je vais les mettre. Mais s'ils sont face à face, je vais quand même mettre les poignées l'une en face de l'autre. Alors, on va laisser comme ça. Non, on va pas laisser comme ça. Déjà, il faut que je rentre. Oups. Merde. Alors, pour les salles de classe. Pour les salles de classe. Le bouton, je vais le foutre ici. J'ai bien l'idée de mettre. Il est où? Non, on va
Non, c'est une blague, me dis pas qu'il y est pas, parce que ça va me faire chier, hein. Alors. Ah bah j'avais pas vu. Un truc clair. On va mettre des planches en bois tropical. Et ce pour toutes les salles, à peu près toutes les salles de classe. On va les mettre comme ça. Pour celle du sous-sol que j'ai pas encore faite. Pour le coup. Voilà. Il va falloir que je fasse le plafond aussi. Ouais, fait à peu près nuit, je mettrai des loupiottes de toute manière. D'ailleurs, je vais en mettre maintenant parce que je suis allé à quoi. Alors. Alors, 2-2. En espérant que ce soit raccord puis que ça marche. Et ça marche. Plus ou moins. Voilà, ça fera notre première salle de classe. Ah oui. Là, il faut les blocs de quartz. Oups. Oups. Évidemment, encore une fois. Mais merde quoi.
Donc voilà à quoi ressemblera une salle de classe. C'est super. Bien illuminé, je trouve. Alors, oups. Ah oui, bah j'étais arrivé au fond, d'accord. Voilà, là c'est parfait. Sauf que, vu que c'est une salle de classe, il va falloir. Ouais, je sais déjà comment emménager le truc, vous inquiétez pas. Alors. Voilà, c'est parfait. Ouais, comme ça, c'est bon. Comme ça, je suis pas emmerdé. De l'autre côté, ce sera pareil. On va le faire direct. Hein. Comme un con, je monte pas comme il faut, ça va pas aller. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Tac. Ça. Ça, dans le haut, je pourrais déjà faire les plafonds puis tout le bordel, enfin les sols. Comme ça, si les plafonds sont faits ici, je pourrais faire les sols là-bas. La porte qui m'empêche de passer, c'est dingue ça. Attends, quoi? Ouais, parce que la direction d'un certain jeu, là je fais en bas, puis ça regarde en bas, je fais en haut, ça regarde en haut. Donc c'est normal, c'est moi qui étais un petit peu perdu avec, avec la direction. Bienvenue sur le live aux personnes qui sont en train d'arriver.
Alors, tac. Raté. Voilà, tac. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, il me reste 24 secondes, j'en bois et on met le sol. Pourquoi je mets du sol comme ça qui paraît dégueulasse? C'est un petit peu normal, c'est parce que pour moi, le sol de salle de classe, ça ressemble à ça. Alors attendez, on me dit quelque chose sur le chat. Momo du 075 00. Tu débutes sur Twitch? Pas du tout, non. Simplement, je fais du Twitch au moins une fois par semaine. Et uniquement sur un projet de création Minecraft que je transfère ensuite sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Il y a tout sous la vidéo, il y a tout qui est marqué pour les descriptions, pour les pages de réseaux sociaux, etc. Pareil pour les règles aussi d'ailleurs. Sinon, bienvenue sur la live. Et je fais du Minecraft sur Twitch parce que justement, comme je dis toujours, une fois j'en ai un sur ma chaîne YouTube qui m'a fait: ah, enfin quelqu'un qui fait pas que du GTA ou bien du Minecraft sur YouTube. J'avais fait autre chose. Et justement, j'avais compris en entendant ça que Minecraft, je ferais mieux de l'éviter de le faire sur YouTube parce que d'après ce que j'ai compris, il y a une overdose déjà dessus. Bienvenue sur le live aux personnes qui arrivent. Donc, je préfère faire Minecraft sur Twitch parce que ça me détend. Et puis, c'est moins chiant que sur YouTube d'ailleurs. Enfin, la communauté me paraît moins débile déjà. Juste, tu évites les fausses donations. Sinon, je te bannis temporairement suite à ces bannissements définitifs parce que j'ai pas activé de bouton de don. Et j'ai pas de Tipeee, j'ai pas de site pour avoir de l'argent. C'est pas l'argent qui me motive. C'est pas la... D'ailleurs, c'est ça qui m'énerve sur Twitch, c'est tous les petits trolls qui te balancent. Machin a donné 100$ ou machin a donné, je sais pas, 10$. Moi, si je le ferais, ce serait en francs suisses. Mais je suis pas intéressé par le fric, déjà de 1. Ensuite, c'est uniquement... comment dire, c'est le plaisir du jeu qui fait que je fais ça. Et pas le plaisir du fric. Non, on a rien à foutre du pognon. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors. Ah ouais, ici. Il est où le truc? Ah, il est là. Voilà, du coup, ici. C'est parfait. Alors, en face. Je vais mettre une porte comme ça. J'aurai pour plus tard. Alors, ensuite. La poignée se trouve à droite. À ma droite, mais il faut que la poignée ici se trouve à gauche. Voilà. Alors ensuite, ici, il faut que... Allez, avance. Il faut que. Donc ici normalement il y aura du quartz, ce qu'il faut sur 3. Donc moi je sais déjà
Du riz poli, que par-dessus, il y aura ça. On va faire comme ça. Ensuite. En tout cas, ici, je vais faire comme ça. Ici, il va falloir que je le fasse en off parce que ce que j'ai prévu, vu que c'est une université, comme j'avais dit, bah justement, c'est le sous-sol, enfin pas le sous-sol, le rez-de-chaussée, ce sera les douches visiteurs, les douches des gens d'ici. Au-dessus, un stade de basketball universitaire. Mais pour le moment, ça reste en stand-by. Donc je vais faire ça déjà. Tranquillement en suivant. Et le reste je le ferai en off bien entendu. Parce que j'ai pas tout fait en live. Le reste oui. Mais maintenant j'arrête de faire tout en live parce que je perds du temps. Par exemple ça là au fond. Je perds du temps en fait hein, si je le fais en off. Voilà. Si je le fais en live, pardon. Et du coup, ce pâté de maison, là, il m'a pris 4 mois. Donc, ça me prendrait 4 fois moins de temps, sûrement 2 fois moins de temps. Si je faisais tout en... Même si je fais pas en live. Et de toute façon, à la fin de l'année, je fais un bilan de ce que j'aurais construit. Alors. Salut Flotounette, comment tu vas? Alors on peut m'éloigner, voilà comme ça c'est bon. Ça va bien, tranquillou. Bah écoute, je vais vite montrer. Oui, ça vole, alors hop. L'université avance bien. En tout cas l'avant. L'arrière, vu que je dois faire un stade universitaire derrière, ça va être en off. Mais là, ça avance bien. Ça avance gentiment. Je suis bien content que ça puisse avancer aussi vite. Et du coup, ça avancerait moins vite. Mais ça avance plus vite que je pensais. Donc c'est parfait. Alors, j'en étais où là? J'en étais là. Là. Ah ouais, mais tu verras, c'est pas encore fini. Ça va être encore plus beau une fois que ce sera terminé. Mais merci. Et en même temps, j'ai fait sur les côtés aussi. Pour justement, pour plus tard, mettre des sorties de secours sur les côtés. Pour que ce soit un peu raccord avec des universités en vrai. Mais ça, ce sera vraiment vers la fin. Parce que pour le moment, je me concentre surtout sur la construction. Et surtout, je fais étage par étage. Il faut que je me concentre étage par étage et que j'évite de vouloir faire tout en même temps. C'est pour ça que ça va vite. Puis je le fais en off aussi. Du coup, ça va 10 fois plus vite parce que le pâté de maison qui est en face, c'est comme j'ai dit, ça m'a pris 4 mois. Donc, c'est un peu trop long. Et là que ça bug. Allez, approche-toi. Ah! Donc là, on fait le sol de l'étage suivant pour pouvoir faire le premier étage, parce que là, c'est le sol du deuxième étage, mais le premier étage, c'est ce qui sera fait
après avoir fait le rez-de-chaussée. Là, je fais juste les fondations, et puis les sols, et puis les plafonds, et les murs. Après, on verra. Mais là, il faut vraiment que je trouve comment faire les choses, parce que ici, comme j'ai dit, il y aura un vestiaire. De l'autre côté, ce sera pareil. Adversaires contre locaux. Au milieu, au rez-de-chaussée, il y aura des douches, de la thalasso, j'en sais rien. Au-dessus, à partir de là, il y aura tout le stade avec les spectateurs, etc. Mais comme je ne sais pas encore comment je vais le faire, je fais d'abord le reste. Reste combien de temps pour la potion? 1 minute 29. Et donc une fois que j'aurai fini off, quand j'aurai le temps, ben il faudra que je commence à faire le rez-de-chaussée correctement, faire les portes, faire les salles de classe, bon pas tous les objets, puis tous les sièges, puis tout le bordel, mais juste les sols, et puis les plafonds, puis les lumières. D'ailleurs, en parlant de lumière, je vais voir ce que ça donne en pleine nuit. Oh, ah oui, j'avais oublié que j'avais fait tout péter, mais que en dessous, sous le sol, il y avait une grotte souterraine avec avec de la lave. C'est pas grave. On construira par-dessus. Donc pour le moment, allumé en pleine nuit, ça peut. Ça passe encore. Faudra juste que je fasse les plafonds là, puis que je mette les loupiottes, puis ça devrait passer. En tout cas, pour moi, ça m'a l'air bien joli. Bon, je remets le jour parce que je vois rien du tout. En mettant les lumières comme il faut, puis en faisant les routes et en mettant des lampadaires sur les côtés, ça devrait passer aussi. Et bien entendu, il y aura tout ça. Et comme j'ai regardé sur la carte, ouais, comme j'ai regardé sur la carte, 1460 et quelques, c'est pas le maximum. Du coup, c'est pas parce que mon personnage reste un rond sur le côté et que c'est plus un indicateur qui va revenir si je reviens en arrière. Voilà. En fait, j'ai été regarder sur internet et puis sur PS4, il y a encore plus de place. Donc, à un moment donné, si ça lag, ben je comprendrai qu'il faudra pas aller plus loin. Puis à ce moment-là, je m'arrêterai, puis je reviendrai en arrière. Mais pour le moment, je vais continuer de zigouiller tout ce qu'il y a au fond pour la prochaine fois. Puis tant pis s'il y a de l'eau. Ça fera un bon terrain de jeu pour le futur. En tout cas, moi, j'ai ce qu'il faut pour les choses que j'ai en tête. Du coup, par là, est-ce que j'aurai la place? Ouais, j'aurais la place un petit peu de faire le. Faut pas par là, hein, évidemment. Mais je pourrais toujours. Alors, je regarde vite fait un truc. Puis ensuite, je continue, hein. Mais la route, je pourrais la continuer par là. Comme c'était prévu. En coupant par le fond. En coupant par là, en coupant par là, et là évidemment il y a de la place parce que ça s'est généré complètement plat. Ouais, c'est quand même bizarre que ce soit généré plat là. Ça s'est généré tout seul, hein, comme ça, j'ai rien fait moi. Alors que sur la carte, c'est ok. Ensuite, ah bah tiens, il y a du désert tout d'un coup par là. Tournez pas. Qu'est-ce que. De l'eau puis de la lave à cet endroit-là. Ok. C'est tourner par là. Défoncer cette île en entier. Et. Une île champignon, c'est sympa, mais je défoncerai tout en entier. Et faire la copie du Golden Gate Bridge par ici. En commençant
par là. Enfin, en commençant par là en même temps, il faudra que je fasse attention. Là, c'est un monde de neige avec de la glace et tout le bon. Un monde de neige avec de la lave juste en dessous. C'est vraiment n'importe quoi cette génération de monde. Alors. Oui, non mais j'ai pensé au port de plaisance, ça c'est... Par port de plaisance, moi j'entends port moderne avec des grands bateaux puis des trucs du style Titanic. Ça, ce sera vraiment pour plus tard aussi. Ah, j'y ai pensé, t'inquiète pas. Il y a un tas de trucs auxquels j'ai pensé justement. Alors, hop, oui, pouf. Alors, ah bah non, c'est pas ça que je voulais. Tac, tac, il reste combien de temps au chronomètre? Il reste 24 minutes. En 24 minutes, je vais remplir à fond ce que je peux. En tout cas, j'ai du terrain de jeu qui est bien fait pour ce que je veux faire. Et je suis content. Oh, t'inquiète pas qu'en off, je vais aussi défoncer la forêt qui est juste en face. Que je referai tout le truc pour les rails là. Parce que justement. J'ai besoin que ça disparaisse pour pouvoir continuer ma ville un petit peu au fond et continuer certaines choses et pouvoir justement... bah tiens! Ouais, je vais défoncer tout ça là. Tout ça, ça va prendre un petit peu de temps, hein, et me faire un port dans le coin ici. Faire un port moderne par là. Évidemment, ça c'est assez haut. Et à ce moment-là, je ferai... Ouais. Non, mais j'ai déjà tout en tête. Je vais pas expliquer parce que ça sert à rien. Parce qu'à un moment donné, je vais changer ce que je fais. Mais j'ai déjà tout en tête. Ah, je suis content. D'ailleurs, j'avais commencé à tout faire péter ici. Hein. Ici aussi, d'ailleurs. Il faudra vraiment que je fasse gaffe parce qu'il y a la baraque à côté. Puis que j'ai vraiment pas envie de tout refaire. Puis que ça avait pété juste à côté. Donc, c'est pas bon. Voilà. Donc, je ferai bout de TNT par bout de TNT. Même si ça prend du temps. Mais je le ferai. Et d'ailleurs, il faut savoir que ici, avant, il n'y avait que de la forêt, hein. Et puis maintenant, c'est un bon bout de ville. Bon, évidemment, ça n'arrive pas à se générer complètement parce que c'est assez éloigné. Le champ de profondeur, d'ailleurs. Option du jeu, écran blablabla, non. Non, non, c'est bon, c'est le maximum que je peux avoir, hein. C'est déjà bien. C'est déjà bien de pouvoir avoir aussi loin. Alors attends, on va le faire comme ça. Ouais, en même temps c'est du Minecraft et ça prend tellement de temps que au final de toute façon en fin d'année je ferai un petit bilan pour dire ça ça a été fait, ça a été fait, voilà ce qui est prévu, voilà une liste, etc. Parce que j'ai une liste de ce que je prévois. Et là pour le moment. On va dire que je suis en retard sur ce que j'avais prévu depuis le début. Mais c'est pas grave. On a tout notre temps, hein, de toute façon. Et je mets en chantier le projet qu'en fin 2018, la plupart des projets que j'avais prévus seront faits. Alors tout ce que j'ai fait là, ça date d'entre 2016 et bah, maintenant. J'ai commencé la chaîne YouTube en commençant d'abord sur Twitch en 2016. Pour la date exacte, je me rappelle plus exactement. Alors,
En faisant ça. Alors, je regarde vite fait sur la chaîne justement. Évidemment, ça charge. Tac. Faut juste que je fasse attention à pas aller trop loin en regardant sur l'ordinateur puis en même temps en jouant. Parce que faire deux trucs en même temps, moi, bonjour. On en est à 72 vidéos. Alors. Attendez 2 secondes. Bon, il doit y avoir un problème dans les chiffres. Moi, bon, j'irai recompter, corriger à ce moment-là, mais je crois qu'il y a un problème dans les chiffres. Donc, j'avais commencé la chaîne YouTube et la chaîne Twitch. J'arrive, commence à streamer le 12 août 2016. Donc ça vous donne une petite idée de la chose. Le logo en haut à droite. Quel logo en haut à droite? Je vois pas de logo en haut à droite. Il est parti. Il y a un logo. Ah oui, la petite boîte avec la flèche. C'est la sauvegarde automatique. Ouais, ouais, il y a des sauvegardes automatiques dans le jeu. Et puis dès que je quitte le jeu, ça sauvegarde immédiatement. Mais il n'y a pas de sauvegarde manuelle. Ah, puis le petit logo, ah oui, le petit... Oui, c'est ça, c'est parce que je bois la potion. Quand... Pas justement la vitesse. 2,51, c'est le petit flouche, là. C'est la potion de vitesse, oups. Ça, c'est le logo de la potion de vitesse, justement, quand elle est active. Mais si je fais ça aussi, triangle, ça me donne le nombre de temps qui reste. C'est 3 minutes maximum. Ouais, c'est que tu bois une potion, maintenant t'as le... les mises à jour ont fait que justement ça restait actif en haut à droite. Oh, c'est bien. Par contre, les mises à jour, les anciennes mises à jour ont fait que les... Et c'est pas moi, hein, c'est le... C'est pas mon micro en tout cas, parce que c'est j'ai que sur ce jeu là et sur Portal Knight aussi. C'est que j'ai la musique qui craque à certains moments et c'est chiant. Bon, tant pis, hein, en même temps, voilà, quoi. Et pour le reste, par contre... je vais faire ça comme... Ah oui, non, mais je sais, au milieu, je vais de toute façon... Je vais de toute façon mettre comme ça, ça sera un petit peu raccord. Ouais, non, mais j'ai compris comment faire, donc c'est bon. Ça, ça va. C'est parfait, ça restera raccord. Donc c'est aussi pour ça que je fais en off, c'est parce que c'est un peu chiant de tout le temps voir la même chose. Du coup, de l'autre côté, ce sera fait en off aussi. Et le milieu aussi. Ça, c'est pour montrer comment je fais, ce que je fais, etc. Et là, j'avais fait justement en dessous. J'avais mis le plafond pour pouvoir remettre le sol ici, parce que ça restera pas blanc, hein. Ce sera du sol en bois. Pour que ça fasse un peu université, assez vieille, assez refaite. Les murs, on va les laisser tels quels, hein, de toute façon, c'est prévu. Mais les sols, par contre, ça va être du bois.
Donc il faudra juste que je me rappelle que certains endroits, c'est les endroits de colle, les endroits de toilette aussi. Par exemple, ici, ce sera la salle de colle. Il y en a deux, hein. Il y en a une en face, une de l'autre côté. Mais là, ce sera toilette et de l'autre côté toilette. Et je mettrai homme ou femme de je sais pas quel côté. On verra bien vers la fin. C'est un peu éloigné, mais voilà. J'ai pensé en même temps au dernier moment aux toilettes. Ce serait pas très raccord s'il n'y avait pas des toilettes, hein, aussi. Hey, monsieur le prof, j'ai envie d'aller aux toilettes. Bah, tu vas chier dehors. Voilà. Pisse par la fenêtre, je sais pas. Non. Fallait évidemment que je fasse les toilettes, sinon c'était dans la mouise. À l'ancienne dans les buissons, ouais. Alors. C'est pour ça que je mets un chronomètre maintenant. Et de pas oublier de mettre le chronomètre aussi. Parce que Minecraft est un jeu, mais d'une chronophagie de ouf. Une fois, je l'avais pas mis, puis je me suis dit, oh, bah ça va aller. Non, j'ai mis 4 heures, j'ai fait une vidéo de. Non, 3 ou 4 heures, je sais plus. Et plus jamais ça, c'est trop long. C'est comme Portal Night, au bout d'un moment, tu te dis, ah, mais il fait déjà nuit. Et parce que tu sais, tu fais même pas attention. C'est pareil avec Minecraft, tu te rends compte que t'en as fait trop quand il commence à faire nuit dehors. Alors c'est dommage parce que j'ai cherché, hein, je rechercherai peut-être en off pour voir, mais les potions avant c'était 4 minutes qu'elles faisaient. Puis elles avaient 30% ou 40% de vitesse il me semble. Peut-être que j'ai mal regardé, mais la mise à jour a changé tout ça. À moins que je vais regarder maintenant. Alors, potions de vision nocturne. Alors attends, c'est quoi? Poison, dégâts, soins, respiration aquatique, lenteur, vitesse, 3 minutes, 20% de vitesse, ok. Potion volatile de vitesse, ah mais faut les jeter par terre ça. Potion persistante de vision nocturne. Attends, ça c'est potion de vitesse, ouais. Ouais, c'est seconde. Donc non, il n'y a pas plus. Ils ont changé pour en mettre moins alors qu'ils auraient dû laisser ce qu'il y avait déjà. C'est dommage. J'arrive au bout, c'est bien. Alors la petite ligne en brique en bas, ça je vais enlever, c'est juste pour voir la séparation. Momentané, hein, c'est pour voir où je dois aller, ce que je dois faire. Pardon, c'est un bon moyen de. Un bon moyen de rien du tout en fait. Voilà, ça c'est fait. Je sais même pas pourquoi je l'ai laissé d'ailleurs. Je me suis dit si je laisse, ça me fera un point de repère, tu parles, ça me fait pas un point de repère, ça me déstabilise. Voilà, ensuite on rajoutera en dessous une couche de quartz, après avoir mis les loupiottes. Ça ce sera bien pour.
Alors j'aime bien les personnages dans Minecraft, ils boivent comme des cochons, ils bouffent comme des cochons. Et la seule chose que disent les villageois c'est oh, complètement blasé ou bien on a l'impression de leur faire chier. Oh. C'est pour ça que dans ma carte où je joue en survie, quand j'ai vu un village qui était juste à côté de chez moi, je les ai tous zigouillés et puis j'ai pris le village pour moi. Enfin, j'en ai détruit une partie pour pouvoir faire raccord avec ce que je faisais. Bah, gros bisous à toi, puis bonne chance pour le boulot, puis ravi que t'ailles mieux. Allez, bisous, puis à très bientôt. Ah bah c'est super. Bah alors on se redit ça de toute façon, hein, t'inquiète pas. Mais ce sera avec plaisir. Bisous à toi aussi. Alors, comment je vais faire ça? Ah oui, c'est vrai que ça reste. Bah je vais terminer là-dessus. De toute manière. Hop. Il faudrait juste que le carré soit juste à côté. Alors ça va rester comme ça. Et ça. Ouf, 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 ouf. Alors attendez. Parce que ça. Voilà, comme ça c'est mieux, je trouve. Et puis on va continuer en faisant le tour comme ça. Et à chaque fois, je me pinge en fait. Il faudrait peut-être. Ah! Comme ça. Attends 2 secondes, ça. Ça, je mettrai du sol. C'est pas bien grave. Ah mais non, mais putain, mais non. Ah mais non, même pas en fait. Attends 2 secondes. Tac, tac. Voilà, ça c'est bon. Alors, tac. Ça c'est inévitable parce que de toute façon ça descend depuis en bas. Donc on le laisse comme ça. Ça c'est le coin, on va le laisser comme ça. Ça fait assez stylé comme ça.
J'aime bien comme ça, moi. Je pourrais toujours rechanger. Par contre, va comprendre pourquoi j'ai... Pourquoi j'ai fait comme ça, moi, d'un coup? C'est bizarre. Tac, tac, oups. Pourquoi je fais comme ça? Mais enfin bon, si ça me rassure, hein. Alors. Oups, 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 oups. Là, je me concentre pas, hein, c'est fou ça. Ensuite, vu que j'ai pas encore rempli le reste, je vais le laisser comme ça. Et voilà ce que ça va donner sans loupiota pour le moment. Et le reste, je le continuerai en off parce que. Attends, il reste combien de temps sur le chronomètre? Il reste 2 minutes 50, mais ça vaut pas le coup. De toute façon, je vais pas vous remplir pour remplir non plus. Donc voilà, on a bien avancé sur le sujet. Donc, je vais terminer là pour ce soir avec du Minecraft. Je vais retourner sur YouTube pour faire du Life is Strange d'ici 5 minutes. Donc, si ça vous a plu pour ceux qui sont sur Twitch, bah, n'hésitez pas à suivre la chaîne. Pour ceux qui vont suivre sur YouTube, bah, y a tous les liens en description sous la vidéo, de toute façon à chaque fois. Et pour ceux qui se regarderont sur YouTube, bah, pouce bleu si ça vous a plu, abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Fabrice Fun Gaming ou Fabrice Fun 1982 sur Twitch. Allez, au revoir, bisous bisous!